Bienvenue à la résidence La Maison des Roses, un établissement du groupe AVEC. Nous sommes un EHPAD situé à 2 km du centre-ville de Valenciennes. Comme vous pouvez le constater, nous avons un magnifique jardin ensoleillé de 12 000 m² au cours desquels les résidents peuvent se promener en autonomie ou en fauteuil roulant. Au détour d'une allée, ils peuvent admirer des arbres fruitiers, une volière ou tout simplement se reposer, passer un bon moment. La résidence comprend 84 places, 72 chambres individuelles et 6 chambres doubles. Nos chambres mesurent 19 m² environ pour les chambres individuelles et 30 m² pour les chambres doubles. Le but est qu'ils se sentent comme chez eux, ils peuvent donc y ramener leurs propres meubles, leurs cadres et leurs photos. De plus, pour avoir un moment encore plus convivial et comme chez eux, ils peuvent y prendre le petit déjeuner s'ils le souhaitent le matin dans leur chambre ou en salle à manger avec d'autres résidents. Nous avons également la chance d'avoir une buanderie directement sur place, ce qui permet d'avoir le linge lavé et repassé en à peine 2 jours. Et comme les résidents aiment le dire, le linge sent bon comme à la maison. Notre établissement est équipé de 3 salles à manger, une au rez-de-chaussée, une par étage. Les résidents y prennent le repas du midi ainsi que le dîner du soir. Nous avons la chance d'avoir une cuisine directement faite sur place par le chef cuisinier avec son équipe. Nos résidents peuvent également profiter de plusieurs espaces conviviaux au sein de la résidence, à savoir une grande salle des fêtes, une bibliothèque et plusieurs petits salons. Nous avons la chance d'avoir une magnifique chapelle où sont célébrés 2 fois par semaine des chapelets et nous avons la chance d'avoir une messe le premier vendredi de chaque mois. Au sein de notre établissement, les résidents peuvent bénéficier d'un panel large de professionnels, sans oublier notre mascotte Stan, qui rend plusieurs fois visite aux résidents par jour. Bonjour, je suis Edwige, l'animatrice de la maison de retraite La Maison des Roses à Valenciennes. Donc, je suis présente toute la semaine pour proposer des activités le matin et les après-midi. Les activités sont ouvertes à tous les résidents qui le souhaitent. Un planning est élaboré toutes les semaines. Tous les matins sont plutôt consacrés aux activités individuelles. Par exemple, je passe avec un chariot de livres pour satisfaire leurs besoins de lecture. Je passe aussi pour des soins des mains et également des soins du visage. Tous les après-midi sont plutôt consacrés aux activités collectives. Je propose donc par exemple le loto, des ateliers mémoire. J'organise des fêtes anniversaires une fois par mois avec une festivité musicale. Je propose des ateliers floraux. En fonction des temps forts de l'année également, par exemple à Pâques, à Noël. Également le bowling, de la gymnastique douce, des sorties au jardin. Nous disposons aussi d'un véhicule adapté, donc avec 2 places pour des personnes en fauteuil roulant, ce qui me permet de les emmener en sortie sur l'extérieur. Je m'appelle Jacqueline Birken et je suis ici depuis 13 ans. Eh bien écoutez, c'était un projet que j'avais derrière la tête, parce que je ne voulais pas terminer toute seule dans ma maison. Eh bien, moi je suis heureuse d'être à la Maison des Roses, parce que j'y trouve une très bonne ambiance, et je ne voudrais pas être ailleurs. J'y trouve une ambiance qui correspond à ce que je désire. Ici, le personnel est très attentif à chaque personne, et cherche à nous satisfaire, mais pas d'une façon servile, quoi, parce qu'on voit qu'elles sont heureuses de travailler ici.